Ouais, je suis là. Il va te pousser! Y a plein de loot. Ah, mais je les ai déjà pris ces trois-là. C'est pas les loots de d'en bas? Si, si, c'était les loots d'en bas. Et voilà! Et je le savais! I knew it! C'est les prix qu'ils croyaient prendre. Enculé! Mais petit con! Vous êtes les clercs, vous êtes un ramassis de vermine. Vous avez l'air de me manquer de rien. Je viendrai dépouiller votre cadavre. Petit con! Je pétais la gueule! Salaud! Je vous ai déjà pris les Ah, loots! peut-être des mobs qui vont pop sur moi? Oh la merde! Et moi je suis en haut! Ouais. Ouais, mais attends, mais je remonte! Je suis juste à côté de la madame. Et du coup, on a pris. On a pris On a le vraiment eu un truc! gros raccourci de la mort, quoi. Ah, elle est plus là. Quoi? Elle est plus là. Elle s'est barrée. Bah, Merde! c'est bien! Non, mais c'est bien! Elle Elle est est. remontée à la surface? Bah, elle est libérée! C'était grillé le mec! Elle est morte Ça dans veut le dire qu'on va trou! lui péter la gueule Ah bah moi je la revois, je le défonce quoi. Non? Mais qu'est-ce qu'il fout là toute la journée à attendre les gens? Bah c'est son plaisir, hein. C'est son dada. Moi mon dada c'est de pousser les gens dans le trohu. Bon, je remonte. On fait à chaque fois tout le monde avance, c'est bizarre. C'est bizarre! Attention, menteur droit devant. Ouais. C'est lui le menteur? Bah ouais, c'était grillé. Ouais, mais au moins on a eu la scène. Ça c'était. C'est toi la lance. Quoi? Toi la lance blanche là-bas. Ouais, c'est toi. Oh, tu brilles en bleu! Me tape pas, sois gentil. C'est où le chemin? Il est là. Le mec, il est là? Bah ouais, reparle-lui. Ah non, il est plus là. Ah si, il est là. Maintenant, je lui parle. Mon sang, comment avez-vous? Je ne voyais pas survivre à ça. Que pourtant, je vais régler ce problème. Il faut... Ah, il va attaquer là. Il va Qu'est-ce qui se attaquer. passe? Cet éclair, tous des prétentions à but de leur personne. Ouais, il attaque. Je peux pas le taper. Eh bah écoute, je vais me faire un plaisir de le taper, moi. Tiens. Tiens. Ah bah, tape-moi. Il est costaud? Non, ça va. Je voudrais juste le choper dans le dos pour montrer comment ça fait quand on embroche. Ah, j'ai pas pu. Je te vois tout rater, c'est bizarre. Non, je rate pas. Je l'ai touché, rien. Allez, amène-toi! Amène-toi! Combat de débile. Va te battre contre du vent. Ah! Boum! Misère! Je suis perdu! Qu'est-ce que je fais pour. Ah, il a donné un loot. Quête humanité. Hache de cro en croissant. Oh, j'aime les croissants. C'est bon ça, les croissants. Non? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Il a dit ça? Ouais. Bah, faut pas. C'est débile ou quoi? T'es débile quoi! Non, mais répète, pourtant j'ai été gentil, j'ai toujours poussé les gens dans le vide! Attends, la hache en croissant. Oh, c'est une hache, dégâts physiques et magiques. Pas mal, 18. Ah ouais, mais elle demande 16 en fois. Ah, elle fait des dégâts divins, elle aussi. Pourquoi lui il était. C'était un mec de foi, lui? Bah, faut croire. Hache de guerre usée en bronze ancien, dotée d'une poignée longue et d'une lame en croissant. Arme bénie de la voie immaculée, la hache en croissant est léguée aux guerriers clercs qui ont trouvé la force de leur foi. Qui ont prouvé la force de leur foi. Ouais, mais ça veut dire que c'était un clerc, ouais. Et elle a quelle gueule? C'est un. Ah, peut-être qu'il les a poussés dans le vide parce qu'ils ont fait une connerie. Et Ou du alors. coup, lui, il était pas content. Ou alors, il les a poussés dans le vide, il leur a piqué leur stuff. Putain, elle est belle, hein. Regarde. Ah, elle Jolie. sent. Jolie. Bon, c'est un peu. Du coup, on y va par là, là? Ouais, j'aimerais équipe. Je te demande juste 2 petites Je secondes. commence à avoir une crampe, moi, à mettre de la lumière, là. C'est pas faux. Lumière odeur ta vie. Non, je suis là. Ok. Ok. Mais c'est par là? Je vois rien. Lumière! Ah, better. Donc c'est hyper relou parce que vous voyez, Jour, nuit. Jour, nuit. Non. Jour, nuit. Jour. Allez, on y va. On arrête de jouer à la Duracell là, et puis c'est parti. C'est marrant. Mob? Ah merde, ah oui, c'est celui qui est de tout à l'heure. Ok, allez, viens là. Oh Oh, il t'a merde. mangé? T'as un peu mangé là, non? Moi où t'as grignoté le popotin? Quelque chose par là ou pas, non? Là-bas, au loin, je vois des monstres. C'est évident. Donc on va se taper des squelettes et il va falloir passer. Oh putain, boule, laisse ton tibia. Roger, je t'ai déjà dit de pas laisser tes tibias par terre. Merde. T'es prête? Franchement. Attends, il y a une note. Ça dit quoi? Attention, chevalier droit devant. Ok, donc bouclier direct. T'es prête? Go. Chevalier, peut-être un chevalier noir, t'as ton anneau de Steve. Ouais. Oh! Il y a un arc. Garde ton bouclier élevé, il y a un arc.
Archer, tu veux dire? Ouais, un archer, un archer. Ah là, qu'il est là, le babou! Tu le vois? C'est bon, bouclier, bouclier levé, bouclier levé. Chevalier, ça! Je sais pas, mais bouclier levé. Je vois rien. Où est le chevalier? Bah, c'est tout comme, non? C'est pas un chevalier, ça, c'est un truc rampant. C'est tout comme. Ah là, il y a un trop eu là. Obligé d'attendre comme ça. Ouais. Attends, mets-toi devant moi, je fais un peu de lumière. Ah, tu t'es fait toucher? Ah, il y a un mob là. Et juste en face. Non, là, il y a un mob à gauche, attention. Ah, ouais, je l'aperçois dans la nuit. Mais faudrait se débarrasser de l'archer plutôt, non? Ok, attends. Je l'achève. Je vais te soigner. On va déjà aller. Attends, reste devant moi, je fais un peu de lumière. Je suis devant toi, tu veux te soigner? Tu veux, tu peux te soigner là. Je change mon inventaire. Vas-y, vas-y, je te protège. C'est bon. On est bien là. À chaque fois, c'est trop chiant. Et quelqu'un qui est en train de faire le passage en étant que nous. Faut qu'on aille se débarrasser de ce putain d'archer en face là. On puisse se balader tranquille. T'es prête? Ok, attends deux secondes, ma lanterne. Ça, c'est de la coop. Ça, c'est de la vraie coop. Y'en a qui bloque devant pendant c'est que bon. Nous changeons stuff. J'ai les lumières. Ok. Il y a un trou et. Devant nous, c'est bon? Je peux avancer ou pas? Ouais, tu peux avancer là, vas-y. Je peux avancer, hein. Je peux avancer, ah je vois bon, rien. J'ai l'impression de jouer au jeu du... Ah non, pas moi, pas moi. Okay. Il a l'archer. Ah ouais, putain. Ah oui, je pensais que... Il est très 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 grand. J'ai la lumière derrière. Ok. Bon, du coup. Lumière. Voilà. Lumière, c'est bien. Okay. Âme de courageux guerrier. C'est bon. Maintenant qu'on a de la lumière. On va pouvoir avancer. Oh là, il y a un trou. Tu m'as pas dit qu'il y avait un trou là. Je croyais que t'avais la lumière. Là, un big trou là. Là, il y a un trou aussi. Donc là, on vient de là. Par contre, si on va à gauche. Si on tombe dans le trou, ça fait. Il y a un loot là-bas. Ah non, mais attends, c'est un chemin. Tu me racontes quoi? C'est pas un trou, c'est un chemin. Un chemin? Ok, et là-bas, il y a quoi? Un autre chemin de ce côté ou on est obligé de passer par. Là, il y a un trou là. Il y a trou là, non? C'est des trous. C'est des trous. Ok, bon bah chemin. Chemin et loot là-bas. Ah, chevalier là. Bah c'était peut-être le gros. Attends, je l'avais pas vu moi le gros dans la descente donc. Tu viens avec moi? J'ai besoin de ma lumière. Okay. Ma lumière. Tu veux que je reste derrière la lumière? Ouais. Si tu veux. Tu mets au boubou? On inverse. Toi tu passes devant. Tu passes devant et moi j'ai la lumière. Je te dis hein. D'accord. Tu es pas à droite. Droite. Ok, c'est bon. Tu vas avancer. Hey. Sur ta gauche. Sur ta gauche. Non, t'es en face d'un trou. Ouais. Ok, colle le mur à gauche. Colle le mur à gauche. Ok. Yeah. Avance, c'est bon, t'es tranquille si tu colles le mur. D'accord. Vas-y. Ah, oh, il y a un squelette chevalier noir. Oh la merde. Ouais, recule. Je recule. Tout en le ciblant, tu recules. Ouais. Tout en le ciblant, tu recules. Il va me pousser, salaud. Tout en le ciblant, un petit coup de magie dans sa gueule. Recule. Ouais. Recule. Encore un tout petit peu. On va falloir. Stop, s'arrêter de tourner. Ok. Maintenant il faut le choper. Putain, je vois rien. Ah! On voit rien! Ok. Il a une. Ah, il a la même alabarde que moi! Très bien! Attends, je recule un peu pour la pâter. Faudrait. Ok, c'est bon. Tu prends pas derrière? C'est bon. Boum! Ok. Je vois rien! Il est pas mort. Maintenant il est mort. C'est bon. Donne le stuff. Yeah, okay. Alvard! Ah, tu l'as re-eu? Ah, je l'ai re-eu. Cool. Donc chevalier noir, he's here. Attends, bah laisse-moi passer dedans. On y recommence. Ces techniques de coop de lumière dans le noir. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas chevalier solaire? Ça fait peut-être plus de lumière quoi. Je sais pas. J'y vais là. Ok, continue. Suis le mur. Attention. Quoi? Miles Davis. Mur invisible? Non, Miles Davis. Hein? Avance. Ouais. Bon, suis le mur de gauche. On arrive sur un loot. Il y aura peut-être encore un ennemi, mais tu n'en vois pas pour le moment. Suis le mur. Ouais. Continue. Ouais. Continue. Stop, tape devant toi. Très bien. Stop. Toi à gauche. Je prends le loot. Oh, bouclier du gisant. C'est quoi ça? C'est bon ça. C'est un trou donc là. Donc là, il y a un trou, ouais. Là, si tu bouges, tu es mort. Donc ne bouge pas. Ne bouge pas. Bouclier du gisant, c'est où ça? C'est plus haut? Ah, il est là. Bouclier du gisant. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Petit bouclier. Bouclier.
occulte et effroyable protège contre les armes divines et la foudre. Ah, pas mal. Dans un complot infortuné visant à anéantir les dieux, les partisans de l'occulte tentèrent de dérober son pouvoir au seigneur des tombes, Nito, premier des morts. Ouais, mais on l'a vu, Nito. On est potes avec lui. Et je peux pas l'équiper. Pourquoi je peux pas l'équiper? Je sais pas. Attends, je le mets juste pour voir la gueule ou pas? Parce qu'il a l'air beau, hein. Il a l'air beau. C'est où? Tout en bas, les boucliers. Bon, bah, voilà. Ouais, je sais que je peux pas bien l'équiper, mais... Burk! On voit rien. Tu peux faire de la lumière, s'il te plaît? Je peux pas faire de lumière. On voit pas très bien. Et grâce à ma... Non, tu t'éclaires pas bien. Tu vois? Mon t'éclaires aura. Pas... Non, ça marche pas bien. Bon, on voit que dalle. On le ressortira plus tard. En gros, une sorte de tête de bélier. Je fais une sacrée aura, hein. Bah ouais, mais c'est de la fausse lumière, en fait. Elle se reflète pas, c'est de la lumière intérieure. C'est très bizarre comme principe. Je remets mon bouclier. T'es prête? J'y retourne. Allez, suis-moi. Tu passes devant? Non, c'est moi. Tac. Tac. Tu fais juste de longer le mur. Ouais, mais quand tu sais pas que... Ouais. Ah, il y a un autre feu en dessous. Il y a un autre feu. Tu le vois à gauche? Ah oui, il brille. Un autre feu qui est c'est juste... C'est pas le même? Ah non, c'est pas le même. Ok, à toi de repasser devant. En sautant, ça marche? Non, pas d'ici. Qu'est-ce que t'en sais? Il est juste là? Ouais, non, il est pas l'air en face. Non, il a l'air pas tout à fait en face, moi, je pense. Vas-y, à gauche. Allez, là. Là? Passe devant. Vas-y. Stop, trou. Big trou. Gros trou. Oh, il y a un mob. Oh, je l'entends. Hein? Ouais. Alors, face de moi, il y a deux petits points blancs. En fait, j'ai un jour l'impression de jouer à Slender. Je sais pas si tu vois en face. Juste ouais. En face de moi, en dessous, il y a un mob. Ah oui, ah, je les vois qui brillent. Ok. Passe devant. Par là? Là où je suis. Et tu vas tanker et il y a des mobs qui vont te tomber dessus. Ou alors on inverse, c'est toi qui vois. Non. Par là? Ouais. Longe le mur à droite. Longe le mur. Tu restes de bien devant moi avec. Ah! C'est pas un trou ça? Il y a un truc qui s'est tué tout seul là, je crois. Non? Je sais pas. Ou alors il y a un ennemi carotté. Hein? J'ai pas reçu d'XP. Tu peux descendre. Ouais, j'ai pas reçu d'XP, mais. C'est pas un trou ça? Non, c'est bon. Putain, ouais. C'est bon, par contre, il y a des mobs, il y en a un à ta droite. Ça va être l'épisode le plus long du monde. Ok, donc il y en a un qui est juste à notre droite. Ah, il y en a deux, stop. Il y en a un autre à ta gauche aussi, recule. Recule comme ça, vas-y. On va déjà se faire celui-là. Hein. Et il y a un mille pattes en face. Il vient pas. Si, il va venir. Tu l'aggro un peu là, tu l'es mis ici. It's coming. Il m'en veut. C'est bon, ok. Donc on va avancer un tout petit peu là, il y en a un autre. Il est saint loot. Ah, deuxième fois Murakumo. Très bien. Donc là, il y en a un, il y a mille pattes là. Il est juste là. Oh merde. C'est bon. T'en foutras un coup, hein. J'ai plus de lumière, chier. C'est chiant, hein. C'est super chiant. C'est une très bonne idée, je trouve ça super marrant. Là, il y a un trou. Là, juste là devant moi, il y a un trou. Là, il y a un trou. Là, c'est un vrai trou ou on peut passer dedans? Il y a une marque là. T'as dit quoi? Attention, gauche, droit devant. Peut-être un archer ou je sais pas. Là, il y a un trou donc c'est possible. Par contre, si je vais là, il y a un loot. Un loot à prendre là-bas. Oh, il y a un chemin là qui se raconte. Ouais, mais là il y avait un loot de l'autre côté. Je peux y aller? Non, viens avec moi. Là il y a juste un loot normalement là-bas. Quoique, attends, on peut peut-être pas le choper, il a l'air. Il est trop haut. On va descendre par là déjà. J'y vais ou. Vas-y, passe devant. Ah, mais il y a un petit chemin là. Ouais, il y a un petit chemin là et il y a un chemin à gauche, mais je sens plus. Ouais, vas-y. Vas-y, descends. C'est clair. Fais confiance, hein. Ouais. Tu longes le mur de droite. Ouais. Faut qu'on s'entraîne avant de jouer à ce jeu. Il faut qu'on se mette le mec avec les yeux bandés pendant que l'autre essaie de lui faire ouvrir. Y a un mec loot là-bas. Oh, y a un truc qui fait des bruits genre. J'entends aussi. Oh, y a ces... C'est un gruyère. Ouh, bon, je passe là. Je prends le loot. Ouais. Éclatite blanc. Ok, les éclatites blancs, c'est pour les armes divines. Ouais. Oh, y a un truc qui bouge à travers le mur là. Tu le vois là? Là. Ouais, je le vois, mais. Tu peux pas le taper? Vas-y, tape un coup là. Vas-y. Ça marche pas. Ok. Bon, bah vas-y, avance. Stop! Hein? Stop, y a un trou à ta gauche.
Ah, y a un mob, là, 1000 pattes, juste en face de nous. Je croyais qu'il y avait un trou, là. Ouais, et regarde, je l'aggro. Et là. Tu le. Mais bordel, à chaque fois, je me prends un coup. Y en a un autre juste en face. Là, hop. Vas-y. Pas bien, y en a un autre. Encore un autre. Allez, top. Très bien, très bon duo. Bonne vibes, bon flex. Faut que je me soigne. Faut que tu te soignes. Donc là, il y a encore un chemin qui descend. Ici, avec une marque au bout. Oh, c'est très 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 big, très grand par ici, non? Carré. Ok. Là, il y a un chemin. Je vais où? Attends, là. Ah. Bah, bon, même à lumière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu crois qu'il fallait remonter? Il y avait peut-être... fallait peut-être prendre plutôt le chemin qui était en haut, vu que ça a l'air de descendre, non? On retourne chercher le chemin qui était à gauche? Ah, il y a un chemin, là. Ouais, je sais, mais ça a l'air de descendre, non? Ouais. On va peut-être aller à gauche, il y a peut-être un bonus. Ouais. Ok, alors attends. Oh, mais... Là, pas trop vite, pas trop vite. Suis-moi. Ouais, j'ai lumière. T'as lumière? Il y a des deux chemins, là. Ah, non. Mais non, c'est un cul-de-sac, là. Donc, c'est ces trucs-là qui font... C'est des... Je dirais, ouais, je sais pas. Tu passes devant, j'éclaire. Et ils disent attention à gauche. Hein. Donc là, il y a un truc. Là, il se passe un truc? Pas encore, avance. Suis le côté gauche, suis le mur à gauche, parce que sinon, à droite, c'est du vide. Ok. Il y a un feu. Il y a tension à gauche. Tension à gauche. Mes fesses. Mon popotin à gauche, attention, c'est cela, ouais. Bon, bah ok, on a trouvé, là. Ça va être marrant pour revenir ici, hein. Ouais. Ça va être très drôle. Ok. Très, très drôle. Bon, bah écoute... Okay. On avance. Ça fait pas genre deux feux qu'on laisse derrière nous, là? Non, l'autre, on l'a chopé. On l'a chopé? Ah oui, c'est vrai. Ok. Donc il faudra se rappeler du chemin. Ouais. Ensuite, par là. Et là, il y a vraiment un truc, là. Bah, on... Hop, là, mais... Au-dessus, je sais pas. Parce qu'il y a un loot qui est au-dessus, alors je sais pas comment on fait pour aller le chercher, tu vois. Du coup, tu descends, là. On y go. Tu passes devant et j'éclaire? Yes. Allez. Sinon, on fait l'inverse. Hein. Tu veux qu'on échange? Oh, putain. Top. Ouais, donc là, il y avait un trou. Et là, il y a un chemin qui va vers là-bas. Et là, il y a un loot. Mais... Tu fais l'inverse? Non, c'est bon. C'est bon. Tu peux taper? Non, c'est bon. Des coups de crâne, des coups de lampe. Âme courageux guerrier. Eh bah, tu m'étonnes qu'on est courageux pour venir ici. Hein? Ouais. Il y a des loots en face. Ces lumières bleues sont déstabilisantes, je trouve. Parce qu'elles sont censées t'aider. Ça aide un petit peu minusculement, quoi. Ouais, elles sont censées t'aider, mais en fait, je trouve que... Mob. Pas de mob pour le moment. Échelle, c'est tout. Ah, il y a une note. Essayez esto. Donc, normalement, c'est une connerie. Mais on sait jamais. Non, c'est une grosse. Mais c'est une vraie connerie. Mais il y a un chemin en dessous. Mais on peut pas y aller avec un saut. Merci. Vous êtes vraiment, vraiment sympa, les gars. Y vais ? Ouais, vas-y. Peut-être Boubou d'abord, non ? Non ? Boubou ? Oula. Quoi ? Oh, des murs. Oh, j'ai peur des murs. Oh, un os qui bouge. Un tibia. C'est bon. Ok, donc c'est par là. Par là. Attends, on voit... Oh, bah, je peux peut-être enlever ma lampe ? Non, non, je vais laisser. On voit code. On a laissé un loot là-haut, mais... Ah ! Je sais pas comment on fait pour y aller. On change d'endroit. Cet endroit, là. Regarde le décor, là. Oh, il y a un arbre géant. T'as vu ? Hein ? Il y a un big arbre en face. C'est des champs d'arbres sur de la brume. Ah ouais, c'est dans de l'eau, je sais pas quoi. Oh, c'est beau. C'est de l'eau. C'est de l'eau ou de la brume. Oh, c'est stylé, t'as vu. Des racines. Et il y a une lumière blanche au milieu, comme si c'était le... On était dans... Princess Mononoke. Ok, t'as plus besoin de ta lampe, là. Hein. C'est vrai. T'as besoin de ta lampe. C'est joli. C'est joli. C'est super joli. Tu screen. Attends, avec toi en face, évidemment. Comme ça ? Hein ? Ouais. Enfin, tu veux... Ouais ! Merde ! Leroy Paladin. Ouh, c'est un PNJ. Il est là. C'est un PNJ. C'est pas un PNJ, ça. Leroy Paladin ? C'est un PNJ. Quoi ? Ouais. Je chope dans le dos. T'as raison, il me fonce un peu beaucoup dessus. Ouais. Hein. Boum ! C'est bon, il est mort. Oh, il y a un petit scintillant derrière toi, mais tu lui as fait peur. Fuck. Putain, mais elle peut même pas prendre deux screens tranquille. Ok. Oh, 21 000. Ouh. Ça va, il était pas dur.
Humanité x2. Oh, Sanctus et Grant. Ah, mais ça, c'est des trucs de paladin. Alors là... Logique, non? Mais merde, je veux prendre un screen, moi. Attends, protège-moi. Protège-moi. Il est où? Sanctus. Ah, Sanctus. Oh, joli. Joli. Ah, c'est pas si mal, mais bof. Arme légendaire de la voix immaculée, donnée il y a longtemps à un paladin mort-vivant. Il fut autrefois protégé par une flamme blanche, mais ses pouvoirs ont depuis diminué. Il n'est sûr qu'une faible récupération des PV. D'accord. C'est-à-dire, il rend la vie? Je l'équipe. Et... et pour l'arme... l'arme... c'est quoi, Grant? C'est où? Grant, Grant... c'est parce que j'ai beaucoup de stuff, hein. J'ai beau avoir rangé... j'ai beau être matinal, j'ai mal. C'est où, Grant? Grant! Ouh, ça, c'est une grosse arme de moignon. Grosse, grosse arme c'est de moignon. C'est celle qu'il avait? Ouais. Arme légendaire de la voix immaculée, offerte il y a bien longtemps à un chevalier divin mort-vivant. Cette masse de fer ne peut être soulevée par... que par une force surhumaine, mais elle est bénie et très efficace contre les agents des ténèbres. Et il faut 50 en force. Waouh! Oh putain! Oh, le boubou, il est joli. Le boubou, joli, effectivement. Tiens, mets-toi près de moi. Merde, j'ai inversé. Viens près de moi. T'as vu? Ouais, c'est sympa. Je suis près de toi. Vas-y. Tourne-toi vers la caméra. Regarde la caméra. Regarde la caméra. Ton arme est moche, mais c'est pour ça. C'est trop... Sprint pour la postérité. C'est bon? Ok. Bon, je me réquipe. Du coup, il y a un mini chemin, mais bon. Ça a l'air d'être un cul-de-sac, c'est d'où il venait, hein. Je sais pas, ouais. J'étais équipé avec quoi comme arme déjà, moi? T'avais quoi comme arme? T'avais la lanterne et. T'étais avec la faux, non? Non, t'étais pas avec la faux. Je sais plus. J'étais, parce que là j'ai pas foutu grand chose depuis plusieurs minutes. J'étais avec l'espadon magique. Ah oui, le truc dragon. Ouais. Ok. Si je saute dans l'eau, je meurs? Non, j'étais pas avec l'écusson. J'étais avec. Ouais, non, je tombe pas dans l'eau là, je pense. Je retourne mon boubou. Ok, mon pied sanguin, c'est bon. Allez, je passe par là pour voir. Ah, écoute, je teste. En tout cas, c'est joli, hein. T'as vu les arbres gigantesques là qui. Ouais. On est où là? On est sous terre. Il y a une forêt géante de séquoias souterrains là. C'est ça? Il vient de là, mais. C'est joli. Et là, j'ai l'impression, tu regardes, j'ai le pied levé, je regarde vers l'infini. Putain, c'est beau la vie. Non? Parfait. En bas, il y a quoi? En bas, c'est la merde. Ok, bah écoutons. Allons-y, je pense que le boss est par là, hein. Ouais. Allons du côté de là où c'est pas un cul-de-sac, ce serait bien. En bas, on voit rien. Cet endroit est bizarre. Ça fait du bien de changer d'environnement. Il y a plein d'environnements très variés dans le jeu. C'est génial quand même. Oui. Cette liste de buffs que j'ai. Dans des trucs. On est re dans le noir. Non. C'est le noir mais léger. C'est une grotte bizarre. C'est une. Oh putain, on arrive chez les premiers hommes. On va voir les morts vivants des. Des homo erectus sapientus trucs qui sort du cus. C'est marrant en fait, ça donne plein de coups avec tous ses bras. Je sais pas si on peut dire que c'est marrant, mais. Bah, Nito, il est un peu comme ça celui qu'on a vu dans la cinématique. Ouais, il a plein de bras. Il a plein de bras bizarres, non, je crois. Ouais. Du coup, il y en a d'autres. Ouh, j'ai cru voir un bug graphique là devant moi, paf ouais. Ah, derrière. Je m'occupe de celui devant. Ah, il y a un archer aussi. Tu t'occupes de celui de ton côté, je bloque de mon côté. Parce que c'est des archers aussi, c'est ça le problème. Ouais. Ok, on y va. T'as vu ça? Ils ont des bras archers chelous. Ouais. Ils ont tout, peut-être qu'il y en a, ils font de la meuf. Ah non, c'est parce qu'il y en avait un. Ah, mais c'est parce qu'il y avait un archer derrière. Ça explique des choses. Ah, au secours! J'arrive, oh. Merde, non! Oui! Je bloque l'autre. Ah, je suis mort! Non! Non, putain. Oh j'ai été bloqué dans le mur. Oh, putain. Fuck. C'est merde. Et ouais. Ok. Ok. C'était chaud, hein. C'est pas si facile de revenir ici parce qu'en plus ça aide bien la lumière au-dessus de la tête, hein, la petite ouais, boulette. Ça hein. C'est clair. Ça aide bien. Alors, on vient juste de tuer le mec là qui m'avait buté là et on reprend donc au même endroit et par contre gaffe parce que ça a l'air d'être ça un peu. Ça va sûrement repop en fait. Ça va encore repop. Alors par contre, il y a juste un truc qui est cool sur lequel je voudrais revenir. Attends une seconde, c'est parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'avant, j'ai fait une petite galipette qui m'a permis de ramasser donc le nouvel anneau.
Et ce nouvel anneau s'appelle l'anneau cointu du serpent argenté. Chaque ennemi tué apporte des âmes. Dragon a parfait. Le serpent symbolise les morts vivants versés dans l'art d'avaler des proies. Plus grosse que lui, il symbolise également la gloutonnerie. Cet anneau argenté porte la marque du serpent et permet à son porteur de recevoir des âmes supplémentaires quand il tue un adversaire. Donc c'est typiquement l'arme, l'âme, l'anneau le truc pour de farmer farm. Des armes. Ouais. Donc c'est bien. C'est bien quand c'est on bien a besoin et, de. Et en face ça pue. C'est quoi ce tas de. Ouais, ce tas de ça pue. On est d'accord. Ouais. C'est un tas de ça pue ça. Ils sont en train de prier Tas de ça pue. Y'a un truc bizarre qui bouge là-bas. Oula. Hein. Oh putain, c'est des boss. Quoi? C'est le boss qu'on a tué tout à l'heure. Il te tire dessus ou c'est non, toi? Non. Oh là, voilà. Ah, par contre, là, il y a quelque chose. Je vais le remettre. C'est bien, ce truc. J'aime bien ce machin. Tu sais, il vit, ça. Ça te tente, j'en aggro un. Oh, oula, oula, oula. Ah, là, ça nous tire dessus. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça te tente, j'en fais un ou deux à l'arc à distance, très loin, ou... Oh. Non. Parce qu'ils font pop des petits squelettes. Hein. Non, il faut qu'on change d'arme. On change d'arme. Quoi? Ils font pop des petits squelettes, ceux-là. Comme on avait vu tout à l'heure. Donc ceux-là, faut prendre une arme. Tu crois qu'ils vont repop si on... Ouais, je sens que ça va repop. Non, mais je fais pas de dégâts avec ça. Bah. Tempête de feu? Ou alors tempête de lame? Bah non, tempête de. C'est pareil, c'est pas des dégâts sacrés. Bah, je sais pas, tout à l'heure ça avait marché. T'es prête? T'es équipée? On y va? C'est pas le petit truc là, non? Ouais, puis on va. Pas avoir trop le choix. T'es sûr je me les fais pas moi avec mon big arc hein. Tu fais ce comme tu veux mais bon. T'es lâche? On rend pas compte. Peu lâche. Waouh 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 c'est une serre. Oh putain en plus ils sont ou pas. Allez hop on y va. C'est parti. Bah, c'est tombé. Faire quoi? Oh ils ont d'autres masques. Ils ont peut-être laissé leur masque. Ah trop bien. Laissez votre masque les gars. Tu crois? Un qui est tout en bas. Je vais chercher celui qui est tout en haut moi. Ok. Ok. T'as besoin de vie, tu me dis? Non, c'est bon. Bon, ça va, pour le moment, on les tue sans trop de difficultés. Il en reste un en bas. Il n'y en a pas un qui veut laisser son masque. Vous êtes sûr, les gars? Ah, il y en a laissé qu'un loot. Il y en a un qui a laissé un loot. Celui qui vient de tuer. Loot. Ok. Éclatite de blanc. Merde. Donc, il en reste un en bas. Ah oui. Ouh, il y a des t'as trucs. T'as le machin. T'as un anneau qui donne le stuff. Ouh, j'entends un bruit bizarre. C'est quoi ces bébés? Il y a des bébés qui te poursuivent. Il y a des bébés qui me poursuivent. Ah, je te jure. Ouais, donc c'est un nécromancien, il fait pop des bébés. Ok, je vois des trucs bizarres. Des bébés qui te pourchassent. Ouais, je vois ça qui court très très vite. Du coup, là il y a un. Là il y a un. C'est ça. Âme héros. Plein de bruits dégueu. Ouais, c'est moi qui fais péter des machins. Bébé. Ils sont où? What? Attends, il y a quoi derrière? Ah, là il y a un portail. Il y a un portail, on a laissé un loot derrière. Je regarde juste, hein. Je regarde juste. Traverser la fumée. Ok, on va déjà aller voir en bas. Un trou là. Ça te dit on va voir en bas déjà? Bébé! Ça bébé. On chasse tous! Ah! Sven voit des trucs bizarres sur son écran. Elle voit des bébés morts qui foncent dessus. Je te jure! Ouais, bah je viens de croire, j'ai cru voir un truc qui sprintait moi aussi. Mais... ouais, et puis je vise des trucs hein. Je vise des trucs donc. Attends, j'ai oublié un loot là-bas. Voir si je porte. Non, je peux pas retourner les chercher. Ils sont tous sur ton cul, c'est bizarre! Ok, bon, on y va, on descend. On va vite le tuer parce que c'est lui qui doit les faire pop. Et je vois effectivement des trucs qui courent très très vite. Ah, il y en a un autre là aussi. Ah, il a plein de lanternes, c'est bizarre. Oh les bébés! Oh les bébés! Il reste. Quelle horreur! Des bébés morts! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Faut tuer le dernier. Faut qu'on tue le dernier, je pense. On se me le faire. Il est. Allez, meurs. Et ils vont. Ah, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Non. Ah. Tempête de feu. Ah, mais ça fait mal. Tempête de feu. Non, pas sur ce truc là, le one shot. Sur allez. Le one shot. Ouais. Je l'ai pu mettre en tempête de feu. Ok. Ouais. C'est flippant. C'est horrible. Pop pas, hein. Non. Si, dans notre dos. Dans ton dos, deux. C'est hyper. Mais. Ça continue. Arrêtez de pop. Ok. On bouge. Bouge. On va juste vérifier qu'il n'y ait pas un loot. Là, il y a un autre trou. Encore un mec qui les fait pop, c'est pas possible. Il y a peut-être encore un qui les fait pop. Ouais, ça pop, ça pop, ça continue de pop. Ok. On avance. Gaffe, hein. Ils font mal, hein. Ils font ouais, mal. Ouais, ouais, ouais. Faut courir, je crois. Ouais, mur invisible. C'est moi ou il reste en bas?
Non ? Dans l'eau, peut-être ? Ouais, attends, là j'ai vu un loot. Donc là, il y a un loot. Âme de héros. C'est ok. Quoi, c'est un homme qui court, c'est horrible. C'est bizarre. Là, ils nous suivent. Sven, viens là. Ils nous suivent. Vite. Ah, je suis tombé dans l'eau ! Non ! Remonte, remonte. Tu fais tout le tour. Ouais. Par eux, fais le tour, fais le tour. Oh cours. My god, oh my cours. God. T'es poursuivi par plein de bébés qui sont morts. Cours, cours. Ok. C'est bizarre ici. C'est très bizarre ici. Bon, par contre, là, on a un portail. Peut-être le portail du boss. Ah, faut que je me soigne alors. Ouais, faut que tu te soignes. Je te laisse te faire plaisir. Ou sinon, je nous soigne tous les deux aussi. Parce que j'ai encore 18 popos. On jamais assez. J'ai 18 popos. J'aurai jamais le temps de me soigner si c'est un boss. Bon, allez, je m'en soigne. Allez hop. Tac. T'es prête? On. Quoi comme arme ça? Ou. S'il fait pop des petits, c'est un peu dangereux. Bah non, de toute façon, ça les tue pas. Moi, je remets ma lance. Okay. T'as qu'à garder celle-là au gaou, je sais pas. Moi, je vais. Non, je vais plutôt. Je vais prendre la faux. La faux. T'es prête? Si on lui fait rien, bah faudra qu'on change d'arme. Eh ouais, ce sera un test. T'es prête? Ok. Et 1, 2, 4. Non, 4. C'est le boss. C'est le boss? Enfin, je pense. C'est le 10 de boss. Ouais, c'est le boss. Let's go. Big boss de zone. Big. Ouh, big trou. Big trou. Ouh là, c'est tout gris. Oh! Quoi, faut se jeter pas... dans la gueule du loup là? On n'est pas genre revenu chez Nito là? Quoi? Chez Nito là? Non, hein? On va péter la gueule à Nito, tu fous de moi? Bah, il va faire pas, hein. Allez. Ah, t'as raison, on dirait la grotte de Nito. Avec de la neige. Bon, bah, on y va. C'est parti. Oh la loupe. Voilà. Oh, j'ai perdu la moitié de ma vie. Oh, les enculés. Oh là là. Oh, ouais, c'est la grotte de Nito, ça. Ah, Nito. Mais, hé, je suis ton serment. On est ton serment. C'est clair, viens pas nous péter la gueule. On est ton serment, on est pas. Et peut-être qu'on va trahir le serment, du coup. Impossible. Oh non. C'est ça, là. Ah. Ah. C'est lui au milieu. Ça veut dire que lui, comme c'est le premier des morts vivants, ça veut dire que si nous on reste très longtemps morts vivants, on devient comme lui. Oh, une grosse boule de merde. Avec des cheveux chelous. Ok, d'accord. Popo. Tout de suite, Popo. Ben. Oui. On va peut-être courir. Vous tapez quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Des squelettes. Ils vont pas repop. C'est possible. C'est possible. Peut-être si j'utilise sa magie contre lui. Ça marche? Ouais, peut-être. Ah, il repop. Oh la vache, il m'a fait voler. Il repop. Il repop. Oh non. Faut changer d'arme. Ok. Change vite d'arme. Change vite d'arme. Ils font des galipettes bizarres. Ok. C'est bon. On a eu deux. Alors, le problème, c'est qu'il va refaire sa magie à la con là. Oh merde. Ouh, je te soigne. Je te soigne. On a un peu de jeu. On a un peu de jeu. On a chien. Oh, il fait des bruits bizarres. Ok, il est là-bas. C'est parti. Je soigne. On n'aura jamais le temps, non? C'est moi ou quand il crie, il faut arrêter de bouger? Ah, je sais pas. J'ai pas l'impression qu'il faut plus bouger, moi, je pense. Pas bouger, là. Ah, non, j'ai rien dit. Okay. Je crois on lui fonce dessus? Ouais, j'y vais. Ah, sauf qu'il y a des gros. Attends, je vais faire ma magie, je vais faire ma magie. Ouais, mais elle est vachement longue. Ah ouais? C'est vachement long, hein, quand t'es. Oh, ce big épée! Il l'a en vachement plus fat que nous! Oula! C'est moi! Ouh, c'est vachement puissant! Je sais pas si ça fait quelque chose, mais. C'est le moment de le taper! Je me soigne! Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, ça c'est du gros coup d'épée! Vas-y! Oh, ça lui fait rien, dégâts! Ah, mais ils font chier ces petits meubles! Ah, oh non! Ils me mangent! Non, au secours! Non! Je suis contre tes petits meubles! Ah, je suis coincé dans le mur! Non! Je vais mourir! Non! Non, non, non. J'ai 3 mobs sur le cul. Tu t'en sors? Je sais pas oh, où c'est t'es. C'est la merde. Je sais pas où t'es. Tu l'as. Gaffe, y'a plus de mec. Ok. Il est bas. Et avec sa grosse. Rien. T'en sors? Je n'en fais rien. J'arrive. C'est bon? Faut les tuer avec une épée spéciale ou quoi? Enfin, ouais, avec le truc sacré? Vite. Va falloir qu'on tape le boss puisque c'est lui qui fait pop à mon avis, hein. Ouais, bah ouais. Que ça repop les squelettes. Peut-être voilà. Du feu, ça va être efficace. Je sais pas, je vais tester. Je sais pas, tu vas dans son dos? Ouais. Fais le tour. Je vais dans son dos. J'y vais. Bon, il souffre. J'y vais. Il souffre. Ah, il vient de tuer un de ses collègues, lui-même. Attention. Ouh, dangereux. C'est quoi? Soigne.
Ah, il fait un truc bizarre. Il va exploser, il va exploser. Ah. Ou pas. Oh. Si, c'était quoi ça? C'était une vague de trucs dégueulasses. J'ai essayé de faire de la grande combustion, je sais pas si ça va marcher. Fais des esquives quand t'entends ce bruit là. Ok. Je me suis trompé de bouton. Voilà, c'est l'anarchie, on n'arrive pas à être synchro là. Si, si, mais je suis dessus, je suis sur lui moi. Sur lui? Merde, je lui fais mal. Ok. Sauf que je me suis tout pris dans la gueule, je savais pas qu'il concentrait. Putain. Ok. Il va taper devant lui. Ah. Attends. Attends. Je suis pas mal de ce côté-là pour que tu le... Non. Ouais. Attention, il va péter, il va exploser. Recule-toi, recule-toi. Ok, ok. M'occuper du petit... Ah. Te soigne. Trop mal. Attends, petit popo. Recule. Non, va te soigner, t'as plus de vie. Mais je peux plus, j'ai plus de soin. Ah, je te re-soigne. Faut que tu me le dises. Ok. Ok. Bon, on reste loin. C'était pas mal de l'autre côté pourtant. Ouais, je ouais, comprends mais... pas comment il attaque. Bah, il fait des grosses explosions, quand tu le vois briller, c'est qu'il va exploser. Bon, il reste plus que 7 popos. Qu'est-ce qu'il fait là? Là, je sais pas. Tu me dis, hein, ça. Je vais lui mettre de trucs dans la gueule. J'y vais? Faudrait l'aggro, mais déjà, il y a des petits. Il y a des les squelettes à la con. Ça, le problème. Pourquoi je peux pas le toucher? Je suis pas sûr de lui faire mal. Ah, il y a un squelette qui est bugué. Ok. Faut que tu me dises quand ça explose. Faut que tu me le dises. Je comprends pas quand est-ce qu'il explose. Quand il brille hein, de toutes les couleurs en blanc, bizarre. Quand il crie aussi, là il va exploser. Non, non, pas quand il crie, c'est quand il brille bizarre. Ok, je suis sur lui. Peut-être aller le taper, non? Ouais. Là il crie bizarre. Ouais. Je le tape un peu. C'est quoi ce squelette qui est bugué avec moi? Je fais rien. Il soigne. Il crie, il crie, il crie. Ok, il va exploser, il va exploser. Il va exploser. C'est bon. Je change d'arme hein, parce que là. Ah, il va re-exploser. Non. Faut le choper dans le dos là. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Il fait un truc fait... là. Je crois qu'il a posé un autre. Il a dû poser un autre là. Ah la vache. C'est chaud. Allez, il tombe. Il tombe bien. Il tombe bien. Il tombe bien. Il est bientôt mort. Attention, ouais. Il va peut-être exploser. Oh putain, non, il a fait mal. Non, je vais le taper. Achève-le. Achève-le. Encore un coup. Un coup. Oh il est mort. Il est mort. Dis-moi qu'il est mort. Il est mort. Il est mort. Il va peut-être exploser, peut-être s'en aller, il va peut-être exploser, il va exploser. C'est bon ? Il va exploser ? Non ? Ah ! Putain. Ce combat trop chaud du cul de mort. Et je vais tout balancer quoi, j'ai foutu toutes mes boulettes de feu. Oh. Merde, il m'a donné un objet mais j'ai pas vu ce que c'était. C'est quoi ? Je sais pas, j'ai pas vu, j'ai appuyé comme un con trop vite. Oh la merde. Oh putain, c'était chaud hein. Et j'ai tout balancé, mon truc d'acide, ça lui faisait rien. L'acide, ça lui fait rien? Non, je crois que ça lui a rien fait. Et en plus, j'imagine que si tu le tapes pas, lui, avec une arme machin, je pareil. Sais pas. Bon, attendez, je regarde, mais je crois qu'il m'a laissé un truc, mais. Je vois pas ce que c'est. C'était chaud, hein? Carrément. Bon, écoute, je vois pas ce qu'il m'a laissé. Du coup, j'irai voir plus tard. Qu'est-ce que tu fais? C'était chaud, hein? Ça, c'était un bon combat de boss, non? C'était mieux que le combat contre... Ah mais t'avais je sais pas combien de trucs de soins, parce que moi j'en avais plus hein. Bah j'avais fait un gros stock, j'avais voulu tester l'art de l'embrasement, apparemment on peut aller jusqu'à 20, il m'en reste 4. C'était chaud. Non mais t'as pas le temps de toute façon contre lui qui couvre toute la carte de pouvoir te soigner. Mais le truc c'est que, ouais, moi j'étais en train de tuer les petits derrière, parce que je les avais tous sur le cul, et du coup je voyais pas quand est-ce qu'il inventait quoi. Je viens de trouver un cadavre. Ah. Casque du paladin. Casque du paladin, armure du paladin, gantelet du paladin, jambière du paladin. Oh, c'est trop bon pour toi ça, non? Joli. Tu veux voir la gueule qu'il a? Oh ouais. Allez, on regarde, soyons fous, et puis on va voir la description. Oh, c'est pas mal en plus. C'est joli. C'est joli. Ah, attendez, je le mets. Je le mets. Armure du paladin. J'ai l'impression que c'est très très joli. Attendez. Aïe, là, là. C'est un paladin. Ok, et description, c'est... Mais le suspense, hein. Elle est armure de Leroy, paladin des catacombes. Le mec qu'on a tué tout à l'heure. Le premier mort-vivant né il y a longtemps au sein de la Voie Immaculée était un paladin en armure dorée, avec les trésors légendaires Grant et Sanctus, Leroy parti pour Lordran, la terre des dieux, lançant la quête des morts-vivants de la Voie Immaculée. Wow. Attention. Putain, c'est beau. Elle est jolie. Elle est vachement belle. Ouais, carrément. Elle est lourde un peu. Ah, oh, les roulettes de vieux. Ah, elle est trop belle, je trouve. Et c'est quoi un petit peu ces stats à ce truc-là, non?
beaucoup de résistance magique. Et du coup, on a. T'as pas genre trahi le serviteur des tombes, je sais pas quoi. Ah, c'est pas impossible. J'en profite, hein, je vous montre aussi le set, parce que je crois que je l'avais pas sorti en entier, à part dans un coin de l'écran. Voilà, set de Lautrec. D'ailleurs, tiens, le set de Lautrec, c'est quoi la description d'ailleurs de ce truc ? Homme de Lautrec, l'élu représentant l'amour de la déesse Fina. Quoi qui c'est, Fina ? Pendant sa solitude, il renonça à tout car il croyait en l'amour de la déesse que la déesse lui portait. C'est cool, non ? Alors, en gros, c'est un grand triste. Hein. C'est encore peut-être un grand triste. C'est pas du tout impossible. Par contre, il faut que je retrouve comment j'étais équipé. J'étais équipé avec. Si, la robe noire. T'avais la jupe blanche. La jupe blanche, d'ailleurs. Il y a des peintures. Il y a des peintures. Non, ça, c'est les gants Baldur, parce que c'est cool, les gants de Baldur. La jupe des peintures. Et ma jupette des peintures. Voilà. Ok. Par contre, il a laissé un feu. C'est un feu de camp. J'imagine qu'on fera ce TP. Par contre, est-ce qu'il y a marqué qu'on trahit quelque part genre... Ah, t'as peut-être eu son âme. Ouais, j'ai eu son âme. Ah bah d'ailleurs, il y a peut-être une explication sur son âme. Non ? Sur son âme, c'est où déjà l'âme ? Je vais voir son âme, je pense. Âme du seigneur des tombes Nito, premier parmi les morts. Âme du seigneur Nito, premier parmi les morts. Cette âme de seigneur a été découverte à l'aube de l'âge du feu. Le seigneur des tombes Nito est un genre d'administrateur de la mort. Son âme est si puissante qu'elle peut alimenter le calice royal. Et soutient qu'une grande partie de son énergie a été offerte à la mort. Sympa. Donc fallait qu'on aille le tuer pour le calice. Bon bah écoutez, moi qui croyais que c'était le machin du début du jeu. Je sais pas, je les trouve moins violents les mobs que dans le truc du feu. Donc je pense qu'on a bien fait de venir. Je pense que c'était le truc d'avant. Et du coup... On essaie de faire les trucs dans l'ordre, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ordre dans ce jeu. Bah, il n'y a pas vraiment d'ordre, à part quelques... Enfin, un peu tout quand on veut. C'est sympa, j'aime bien. Je vérifie un peu sur les bords, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Du coup, tu dois pouvoir te casser un peu comme tu veux. Ouais, mais du coup, moi qui voulais monter le serment, c'est foutu, quoi. Pourquoi ? Bah, je sais pas, parce que si on vient de me tuer, si c'est le chef du serment... Non. Tu dois pouvoir revenir. T'as pas le cercueil pour partir au même endroit là ? Je sais pas. Attends, là j'ai un truc en plus dans la liste. J'ai quoi ? Tombeau des géants. Au tombeau des géants. C'est un menu ça. Ah, c'est soit ici. T'as pas. Tu vois le cercueil ? Ah bah non. Merde. Non, quelqu'un doit l'emmener. Je pense que le serment c'est bon. Ah ! Tombeau des géants. Et ça me ramène sur le tout premier feu, j'ai l'impression. Ok. C'est cool. C'est plutôt cool. Et donc, on a terminé là. Bon, bah, c'est pas mal. Du coup, prochaine fois, il nous reste plusieurs choses. La forêt. Il nous reste... La forêt. Ah oui. Le truc arbre-racine bizarre qu'on a vu dans le hameau. Mais ça, c'est... Le début, apparemment, est tout seul. On verra pour la suite. Il nous reste aussi les cavernes de feu. Les cavernes de feu qu'on a vu qu'on pouvait s'invoquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je sais plus. Je crois que c'est tout. Je serais assez tenté de te proposer... Pour alterner, parce que comme on a des passages en solo, plutôt que de vous faire plein de passages, de peut-être faire, voilà, comme on a fait un truc en coop, on repart sur le truc qu'on doit faire en solo pour le départ, c'est-à-dire la souche d'armes. Dans les marais. Les marais ? Comme ça, on alterne un peu solo-coop, parce qu'on est bien obligé. Ça te va ? Ça marche, ok. On fait ça ? On s'arrête là, on vous fait des bisous, et à tout de suite. À la prochaine ! Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? No? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but, well, we're friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. Ha, 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 ha.